Branchez connecté dans www.congodialogue.com et moi c'est Josué Bolo à l'international, toujours prêt à vous servir. Nous sommes ici à Cape Town encore une fois dans l'église New Faith Church, là où se déroule le concert qu'on a dénommé Sembola Loboko. En fait, c'est juste la sortie officielle de l'album de notre bien-aimé le pasteur Beli Ndongala, aujourd'hui le 1er juin 2019. Sinon, l'attente attendue, ça fait un bout de temps parce que plus de 5 ans que le pasteur ne relâchait pas un album, mais du moins, finalement, il a voulu nous proposer un projet qu'on appelle Mon Offrande. Et je crois que vous serez vraiment scandaleusement bénis si vous procurez juste une copie de cet album-là. C'est juste un single de 3 ou 4 titres et je crois que Soui Bolandiango et Kopambola Binom Alamo. Moi, c'est Josué Boloa. Alors, nous sommes ici. Alors, dans cette sortie officielle, il a voulu surprendre les amoureux de la musique chrétienne ici en Afrique du Sud, partout, dans 4 réunions sur Cape Town, avec un invité surprise, le frère Michel Bakenda, qui maintenant là, il est tenté de performer. Nous allons entrer, expérimenter, savourer encore la bonne musique dans ces concerts. Il n'y a pas seulement le frère Michel Bakenda, il y a aussi notre sœur Christelle, la fleur de l'Europe, comme aussi une invitée surprise. Il y a aussi notre bien-aimé David Tariba, n'est-ce pas, qui est aussi une invitée surprise, et ensemble avec toute l'équipe. Et nous avons aussi remarqué la présence, ok, thank you so much. Nous avons aussi remarqué la présence des Team Miracle, Love and Glory Mi, Band, et aussi la sœur Today, notre sister Today, est là aussi performe. Alors, que le Seigneur vous bénisse, nous allons entrer, suivre juste ce qui, oh, je t'ai dit, vous ne serez pas déçus. Frère Michel Bakenda, que Dieu vous bénisse, et avec toute l'équipe de ATES, le pasteur Beli Ndongala, merci, Nzamba Pambola Binonyonso. La salle est tellement remplie, vraiment, nous sommes amoureux de sa musique chrétienne, surtout les hommes de Dieu, nous sommes nombreux pour nous soutenir, sortie officielle, il y a Cli, il y a l'album Mon Offrande, il y a pasteur Beli Ndongala. Là, nous avons Nzembo, Atiki Bisote, Atiki Ngate, Nzamba, Atikakate, Atabato, Batikio. Voilà, maman Francine Game de la Belgique, nous sommes là, en direct de l'Afrique du Sud, pour nous couvrir l'événement Oyo, bien sûr, que c'est l'événement de l'année. Oyo, et Sangisi Bananzambe Belé, Pepe de Belé, pour remarquer que présence, il y a des combattants, parce que Balobi remarque, Téléméli Bato Basala qui remarque que frère Michel Akoyate, Abeta, Teza, bon, te souci, Nabangoza, Bazo Bundelamboka, Bazo Bundelamboka, Bana pour sa musique, et puis sa valeur, et puis sa message, à bon moy, et puis sa bon message, il y a la morale, il y a une valeur, vous comprenez, hein? Voilà, ensemble, il y a Auditorium, il y a New Faith Church, il y a Goodwood, n'est-ce pas, Bisikani concert. Et au salam et puis tout le monde profiter moi micro baladeur impression à chrétien on nombreux awa ba banga combattant mais ce sont nos frères qui ba déclaration na bango baza vraiment na souci ambo kanabiso ekende liboso. Alors suivrez les images en collaboration avec Chris. Thank you. Je suis avec Christa. Ton impression, on a présenté l'émission, on a présenté les concerts ensemble avec toi. Ton impression par rapport à ces concerts, il faut le bas français na lingala. Ah, moi je ne parle pas français. Mon impression c'est que ce concert-là c'était magical, it was amazing, it was marvelous, okay? There were so many talents and I'm so blessed, okay? So if you don't feel blessed after this concert, you need Jesus. But anyway, I just bless God. Thank you God for making this possible and look at it. Je suis avec la sœur Sinovuyo, sud-africaine, Kosa, née grandie ici en Afrique du Sud. Une bénédiction pour les Sud-Africains. But we can hear she can sing Masia Zalisekwa in Lingala. Tell me, how did you manage to sing the Jesus is the resurrection, but in Lingala that you've been born there, you never even been there before? How? It is the love of learning new languages. I love learning new languages, exploring. And when I was challenged to actually sing in Xhosa, I was like, okay, you know what? Let me just go an extra mile and then just learn Lingala and just sing it in Lingala. So I love learning new languages. And how that song is a blessing to you? Oh, for every church that we went to, presenting this show that's upcoming to people, every time I'd sing actually in Lingala, people would be amazed, or in Xhosa, people would be amazed. So now my life changed. My life, I got a time to think that actually I wouldn't be in this place if God didn't actually come through for me. The Bible says in John 3:16 that for God so loved the world. And I like to personalize it and say, God, for God so loved me that I am still alive. And I'm so grateful to be alive and to share the stage with such great people. Thank you so much, my darling. Much appreciate it. Voilà, une sœur à Mbalingala, tu n'as pas l'idée. Mais biso, le problème d'aratoyer qu'on l'appelle, m'amnorambog na bangotemé. Tous en a confiance. Voilà, je vais prendre juste pendant quelques minutes le frère Michel impressionné par rapport il y a concerning l'équipe. Vous allez voir, vous remarquez comme ça, maman Francine Game, hein, Yemoko, El Picasso Pierrot. El Picasso Pierrot. Libota Nzambi vous a branché partout dans Congo Dialogue. Je suis avec l'homme de Dieu, le frère Michel Bakenda. Papa Shalom, merci encore d'être venu. Merci beaucoup. C'est une grande joie pour moi par rapport à ce que Dieu a fait ce soir. Voilà. Vraiment, Toratakio, presque une année, 2 ans passés, les lois au Pambo là-bas à Cape Town. Votre impression, n'accueille d'abord, il y a Libota Nzambi voisin à Cape Town. Tout était parfait, et vous constatez tout de suite que les gens ont soif de Dieu, ils ont vraiment envie d'adorer, de célébrer, de danser. Nous prions pour que Dieu nous accorde de tels moments d'une manière un peu continue, quoi. Voilà. Papa Michel, ça c'est un bien-aimé, ça fait longtemps, on les voyait sur le marché. Après 5 ans, 6 ans, qu'est-ce qui vous a motivé plus de venir soutenir cet homme de Dieu, le pasteur Beli Ndongala? C'est d'abord la relation que j'entretiens avec lui, c'est depuis Kinshasa. Nous avons de très bonnes relations. Et vous savez, l'amour ne se dit pas. Ce n'est pas le fait de chanter l'amour est une personne qu'on doit aimer. Il faut réellement démontrer que l'on aime. Raison pour laquelle je suis venu pour le soutenir par rapport à ceci. Voilà. Qu'est-ce qui vous a impressionné plus? Comment on a ban Nzambe Baye Belé? Et apparemment, par rapport au répertoire, les scénos t'ont connu autrement. Voilà, ça m'a fait vraiment comprendre qu'il y a des cœurs ici qui sont assoiffés de Dieu. Et je tremble devant Dieu, le fait de constater que Dieu est passé par moi. Surtout la manière dont Dieu a conduit les choses. Les concerts s'étaient arrêtés, mais Dieu, lui, ne s'était pas arrêté. Il y a eu même un chant qui a été inspiré, comme Bonangé Zali. Donc nous bénissons le Seigneur. Nous aimons de tels moments, nous vivons pour de tels moments. Voilà. Frère Michel Bakenda, tes projets d'avenir, parce que je sais que vous descendez à Joburg pour un autre concert. Voilà. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent s'attendre de vous avant la fin de cette année? Donc demain, nous sommes à Joburg pour un concert. Jeudi, nous serons aux États-Unis. Nous rentrons à Kinshasa. Nous avons un grand concert le 11 août, acclamons Jésus. Et dans ce cadre, nous sommes en train aussi de célébrer le 5 ans d'existence de notre structure. Alors nous avons une campagne que nous avons lancée d'achat d'instruments qui nous coûte plus ou moins $100 000. Donc bientôt, on passera aussi par vous pour faire passer le message, car nous avons besoin de tout le monde, question de nous soutenir. Vous savez, nous sommes de ceux qui font beaucoup de concerts humanitaires gratuits. Alors nous avons besoin de matériel, question de nous faciliter, de bien faire les choses selon que le Seigneur nous inspire. Voilà. Michel Bakenda, un grand merci à vous. Votre message par rapport aux hommes de Dieu qui vous accueillent ici à Cape Town, et aux enfants des dieux et à la maison de production, BORA Production, et puis toute l'équipe qui a accompagné le pasteur Beli Ndongala. Je bénis et remercie la maison de production BORA Production, voilà, que Dieu bénisse tous les staffs, je vois Papa Jimmy et tout le monde, que Dieu bénisse également tous les hommes de Dieu qui nous ont soutenus, et nous ont envoyé l'air fidèle, ça c'est quelque chose de très louable, que Dieu bénisse Cape Town, la communauté congolaise, et de Cape Town, que Dieu bénisse surtout l'Afrique du Sud. C'est pas pour la dernière fois, n'est-ce pas? Comme nous pensons que les choses iront en notre faveur, hein, ça ne sera pas pour la dernière fois. Voilà, merci beaucoup l'homme, désolé pour le frère Michel Bakenda, nous sommes très ravis. Ok, nous sommes très ravis. Yes. Ok, thank you so much. Nous sommes très ravis, je crois que vous avez su le frère Michel Bakenda, une bénédiction pour le corps de Christ. Voilà, vous constaterez que les photos continuent toujours à pleuvoir ici. Les gens sont bénis de la présence du frère Michel Bakenda. Moi c'est Josué Bolo, toujours représentant congodialogue.com de la grande dame Francine Game de la Belgique. Vous avez suivi les images, les hommes étaient bénis, les femmes étaient bénies. On était toujours dans l'ambiance de l'onction du Saint-Esprit. On devrait peut-être clôturer, mais bah, plein et salut. Une salle qui a au moins près du moins 1000 personnes avec la présence du pasteur Beli Ndongala, la source officielle Menzamba Salibola. Avec son humilité, vraiment merci le frère Michel Bakenda. Et structure, il y a ATES et toute l'équipe, hein, FM, Florent, Binonion, Sobajimi, tout Bozawana, on continue toujours à soutenir. Alors je ne peux pas oublier à remercier Joël Menga, il était toujours au fourreau au moulin. Merci à vous, merci à la sœur Michelle Lukusa, Maman Michel Loukousami, qui love la coordinatrice de ces concerts. Vraiment, coup de chapeau à toi, c'est un bon travail, on a remarqué. Tu étais au forum là, chaque jour. J'ai dit aussi grand merci à BORA Production qui a assuré. Le général manager, il est là. Donc ce sont eux qui ont au moins assuré la réalisation et la production de ces concerts. Grand merci à vous qui étiez là nombreux. Nous étions à MC, nous étions aussi dans le journalisme, mais voilà, nous combinons les tout. Alors je vais, avant que je termine mon émission Espace Dialogue, comme vous savez, Congo Dialogue toujours n'attend pour faire plaisir. Je vais passer juste un message au directeur général, General Manager de BORA Production. Papa Nanga, présentation et puis votre impression par rapport à ce concert. Non, c'était une première. Te remercier Nzambi. Il est qui vraiment bien Makasi. Te remercier Nzambi, te remercier Batupende va répondre. Malgré la tracasserie, les gens ont quand même répondu. C'est une première pour notre frère Michel Bakenda. Il y a eu trop de problèmes qu'on a réglés. Mais nous encourageons aussi l'espace, bah, watch out. BORA Production, ce n'est pas une autre dernière production. Il y aura beaucoup qui va venir et on va le faire avec vous. Merci vraiment. Merci beaucoup Général Manager et plein succès à vous. Voilà, moi c'est Josué Bolo International en direct de Cape Town, Afrique du Sud. Je suis très béni et c'était du boom et du tonnerre. Restez toujours branchés. Ingénieur, Talarayo, c'est comment? Tout ce qui concerne l'équipe successful, donc ça va toujours bosser dire. Soon tous on a Congo pour nous développer comme Bokande au Mali Moussale Kende non ça va tous on a pour na bana Congo nous sommes bana Mboko Mbomba donc tous ces pays tous ces pays pour nous Moussala n'a pas posé ça. Merci beaucoup, voilà, merci. Donc bah son boyo qui est en collaboration avec Vicky Nande Konanga Oyo. Voilà, YouTube c'est Congo Dialogue, Facebook c'est Josué Bolo. Restez connectés. Alors si vous avez aimé, des commentaires à faire. Nous serons toujours là pour recevoir cela. Des impressions, des suggestions, le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Grand merci à Papa Michel Bakenda et à toute l'équipe. Merci aux frères, au pasteur Beli Ndongala, n'est-ce pas, pasteur Beli Grace Ndongala pour son album. C'est là, Mon Offrande. N'hésitez pas à procurer une copie. Contactez les numéros qui ont vos petits écrans. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.